Mesdames, bonjour, bienvenue pour la suite de notre aventure incroyable, formidable, toujours présente et toujours extra époustouflante sur les Simpsons, le jeu, Cette en ville compagnie est des vraiment parents magnifique. Simpson encore et toujours. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que, eh ben, Marge n'a pas beaucoup eu à intervenir dans les trois niveaux précédents. Alors que pourtant, tous les autres, on les a vus. Et surtout, Bart, lui, était un peu trop présent à mon goût. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça aurait été bien d'avoir un niveau juste avec les parents. Après, ça va peut-être venir. Mais ouais, c'était drôle. Donc, le prochain niveau se trouve chez les Simpsons eux-mêmes, en sachant que nous avons terminé les trois missions qui étaient disponibles en même temps. Autant dire qu'à partir de là, à mon avis, il va se passer quelque chose de fabuleux. Super solde, c'est parti. Même si je ne pense pas que ce soit le moment de faire des soldes. Oh mon dieu, c'est le vaisseau mère. Je parie que c'est le boss de ce niveau du jeu. Le boss, vite, faites semblant d'être occupé. Regardez, la cale s'ouvre, toutes les quatre explosions laser. C'est le point faible qu'il faut exploiter. Hé, hey, Kodos, le gamin moche a raison. Pourquoi nous exposons-nous toujours après quatre tirs au laser? T'as raison. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça, après tout? Merci pour l'astuce, stupide terrien. Il y en a marre d'affronter seulement une famille. Pourquoi on n'atomise pas la ville entière? Ils ne pourront pas nous en empêcher. Mon cosmos interne approuve. Sans rien, ces pieuvres de l'espace vont envoyer toute la ville en l'air. J'ai dû s'envoyer en l'air, non? Oh, pardon. Le livre d'astuces ne propose plus rien d'efficace. Attendez, j'ai une autre méthode pour tricher. Allez sur Internet. Bah bien sûr, Internet. C'est comme ça que je triche pour l'école. Triche? Il y a un truc que la triche résout pas. Regardez, ils ont un guide pour un jeu intitulé Les Simpsons, le jeu. Bartman, concours de bouffe, invasion alien, dauphin massacre, il décrit tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Plus rien d'autre, j'espère. Et ça dit qu'on doit trouver... Poussez-vous, je vais jouer solitaire. Dans le moteur du jeu. Si notre vie est un jeu vidéo, c'est ici qu'il a été conçu. C'est ridicule, je suis pas un personnage de jeu vidéo, je suis une personne vivante avec des rêves et des émotions. Ah ! Ouais, ok, Dak, je suis un perso de jeu vidéo. Est-ce que je peux me poser une question? Si c'est un jeu vidéo, où est-ce qu'on met les pièces pour jouer? Ah ! Oh, punaise, c'est un intello! C'est vrai, le plus intello des lunetteux fans d'ordinateur. Papa, c'est Will Wright, le concepteur de SimCity et des Sims! N'oubliez pas mon plus gros flop, Sim Sandwich. Son échec m'a rendu fou, oui, fou! C'est pourquoi je vis ici, maintenant, en collectionnant des jeux auxquels plus personne ne joue. Dans les jeux vidéo, tout est une question de nouveauté, et les anciens jeux sont rapidement oubliés. Un de ces persos vous dit quelque chose? Waouh, on est vraiment pixelisé! Le rendu est minable. Quel perso est censé me représenter? Ne les détruis pas! Ils sont peut-être dépassés, mais ils sont encore en vie! Edgar, il est fou! Il nous détruit! On pourra jamais s'échapper de Krusty Island! Je suis Marge! Vous pouvez pas faire ça! Bien sûr que je peux. Je suis Will Wright, voyons. Et bientôt, un nouveau jeu des Simpsons va sortir et sera plus évolué que celui-ci. Je serai donc obligé de vous détruire. Arrête-le, Homer! Salatello! On doit sauver notre famille pixelisée! Je sais jamais par où commencer, c'est trop bien, enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop bien. Alors attendez, par contre je me suis gouré au niveau des raccourcis, voilà. Donc, oui, nous voici dans la matrice à nouveau, nous sommes dans l'ordinateur, nous sommes à la rescousse de nous-mêmes, on a 2 minutes 40 pour se secourir soi-même. Ah, je m'attendais presque à ce qu'on joue les 4 Simpsons, quitte à avoir un point, tu sais, pour interchanger avec les personnages. C'est beaucoup trop drôle. Voyons voir, il y a quelques collectables. On va essayer de se concentrer dessus, si on peut, hein. Après, voilà.
rien derrière, tout devant. Le créateur des Sims, enfin je veux dire c'est génial. Et puisque le jeu appartient à Electronic Arts, enfin je veux dire celui-là, hein, pas l'univers des Simpsons, juste le jeu, et ben ils peuvent se le permettre et c'est trop marrant. Alors par contre, voilà, je me demandais où c'est qu'on utilisait le grappin. Vous auriez dû rester devant votre télé. Allez hop, on active l'inter. Tais-toi créateur, je ne sais plus ton nom mais tais-toi, même si tu es très connu. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'à un moment on va gagner genre des skins des Simpsons en 2D? Ça pourrait être trop drôle. Alors attends. Spawn. Parfait. Ce qui permet de progresser dans le game. Même une horloge cassée indique la bonne heure. Ah mais je vais pas au bon endroit, c'est chiant. Attends, yo Homer. Homer, oui, c'est toi, je sais. Il y a un collectable par là, je l'ai vu. Allez. Voilà, et ils l'ont mis bien loin histoire de bien te faire perdre du temps et bien te faire oublier ton objectif. Ok, ok. Bah, rouille. Élevage de canards. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors désolé hein, si vous loupez des répliques, j'essaye un maximum de laisser parler, enfin de laisser parler les personnages, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Mais par contre, ce jeu, vraiment ce jeu est gourmand. Tout ce qui contient Sim en termes de plein de choses, il fait super plaisir. C'est dommage que les mécaniques aient vivent. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que le jeu retravaille si jamais il doit ressortir un jour. Oui, mais encore. Attends, peut-être que si je pète tout ça, Bart aura accès à un grappin. Parce que je vois un grappin juste derrière. Ouais. Attends. Bart. Oui. Bart grappin. Enfin, Bart grappin. Il y a un collectable. À moi, le collectable caché. Perdu. 2 sur 4. Pas terrible. Helium. Oui, alors Helium pour aller en face, mais pourquoi? Sûrement parce que les deux doivent aller en face. Allez hop, allez hop, allez hop, allez, allez, allez. Enfin, cette course, mais cette course. Ok, donc panique, il reste 22 secondes. Oh là là, ça avance sérieusement. Suis-moi Homer, bouge-toi le fion, Mémère. Bouge-toi le fion. C'est bon, ça passe. Normalement, vas-y. Go. Non, il faut les deux. L'horreur. Non mais là vous avez le droit de le dire. On dirait bien que enfin, je veux dire, oui j'ai été nul, mais c'est à cause de l'intelligence du jeu. Que va devenir le monde sans une bande de nuls en 2D? Non, je suis désolé, c'est à cause de l'intelligence du jeu parce que Homer il est resté dans son coin, il a pas bougé. Ce jeu où IA se critique soi-même. Ah bah ça c'est la force, hein. C'est la force de les Simpsons. Mais non, oh non. C'est chiant, franchement c'est chiant. Bon ça va parce que c'est pas long et c'est sympa à faire. Mais c'est horrible de perdre comme ça. Oui non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Je veux dire, la manière dont là j'ai perdu, je suis désolé mais c'est de la faute du jeu. Je suis désolé. Bon après j'avoue que je traîne pas mal des pieds quand même. Mais en vrai, là les 4 secondes, j'aurais pu finir de justesse. Ça aurait été beau. Ah, y'a rien de remarquable. Du coup, avec alors que moi je suis trop. Attends, arrive. Prospérez-vous devant ma beauté. Alors, on a tous les collectables avec Bart. On n'a pas tous les commères. Je me demande si. Attends. Je m'en doutais. Gouffre de la mort, coyote et verre de jalousie. Je m'en doutais. Le coup de Bart qui doit mourir pour le bien de la cause, c'était sûr. Homer, te bouge pas surtout, hein. Tout ce qui ne contient pas Sim dans son nom est stupide. Ok, super. Allez, go. Ça y est, un collectable un peu nul. Pourquoi on l'a déjà eu. Allez. Et là, il me suit. Alors que tout à l'heure, avec le trampoline, niet. Il voulait pas. Ouais, non, c'est chiant de. Ah, c'est la caisse. Ouais, non, c'est chiant de perdre sur des trucs comme ça. Donc, attends. Je vais déjà faire avancer un personnage jusqu'au bout et ensuite je me concentrerai avec Homer. De toute façon cette fois on est bien. Donc je m'inquiète. Adorez-moi, je suis le même dieu si je devrais m'inquiéter pour un truc. Où est ma duff? Là-bas. Ah mais c'est pour ça le Homer Helium. Attends, oui. C'était endormi au volant. Et voilà. Alors attends. Lève-toi 30 secondes. Super. Non, là. Merci. Yes. On a toutes les heures. Ok, on est trop bon. On continue. Sim
hot dog, Sim camion des boueurs, Sim... Non. Ah, Sim sandwich, comme t'as dit tout à l'heure. Super, super. Allez, 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 allez. Non. Je suis nul. Attends. C'est bon. Pour autant, je pense pas que ça soit la fin du niveau. J'arrive pas à me comprendre avec moi-même. Je pense pas que ça soit la fin du niveau parce que je vois pas comment le niveau peut juste se finir sur ça. Course contre la montre. Yes. On a fait un 100%. Encore. Parce qu'on est trop bon. C'était quelqu'un de chez IEM. Ils me détestent, vous savez. Ils sont tous jaloux de moi. Jaloux, je vous dis. Ah, donc ça pouvait bien se finir en si peu de temps. Très bien. Donc ça a été la pression pendant 10 minutes, mais messieurs dames, apparemment c'est déjà une fin de niveau. Incroyable! Ces endroits où on allait voir les films avant que le piratage nous les livre à domicile. Ah! Ah! Eh, merci de nous aider à sauver nos nous en 8 bits. Oh, j'ai dû faire plein de doubles sauts chez les IV. T'aimes les donuts toi aussi? Un peu que j'aime, t'en veux un? Juste c'est pixelisé. Je t'aime bien, vieille version pourrie de moi. Attention les Simpsons, on tourne ici en rond depuis longtemps, et je vous préviens. Kowabunga! Un jour, votre jeu sera lui aussi ringard. Pas question! Les Simpsons, le jeu est vraiment super. C'est pas parce qu'on a détruit ou oublié tous les autres jeux vidéo que le nôtre doit y passer aussi. Bart, elle a raison. Enfin, je veux dire, j'ai raison. On a toutes les deux raisons. Aucun jeu vidéo n'est à l'abri d'une industrie qui cherche sans cesse le nouveau truc à la mode. C'est vrai, les Simpsons, le jeu est génial. Avec les capacités uniques et évolutives de ses personnages. Mais aussi avec ses cinématiques hilarantes et référentielles. Mais en sera-t-il de même quand la Xbox 720 et la PlayStation 4 sortiront? Plus personne ne voudra jouer avec nous. C'est le prix d'endroit paumé. Les mecs qui font des jeux vidéo s'en mettent plein les poches. Et moi, pendant ce temps, je dois me contenter de mourir et de mourir encore. À chaque fois, c'est pas... Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes juste des pixels en haute définition dans un univers que nous ne pouvons pas contrôler. Et pendant que nous parlons, Springfield se fait détruire par une invasion alien digne d'un horror show. Oh, c'est vraiment pas drôle quand ce genre de truc vous tombe dessus. Ouais, on sait même pas à qui on doit botter le derrière. Je sais où vous pouvez aller. La demeure de notre créateur. Il a créé tous ces mondes. Peut-être qu'il peut arrêter ce cycle de destruction inutile. Au créateur, hein? Je vais lui mettre un triple combo en pleine figure. Hi-ha! Reste cool, mec. Tu dis toujours ça, je m'en doutais. Le seul moyen d'ouvrir le portail est de passer par chacun des nouveaux jeux Simpson développés par le créateur. Quand vous êtes dans un jeu, vous devez trouver une carte clé. Il nous faut les 4 cartes clés pour pouvoir ouvrir le portail. Des cartes clés? C'est le truc le plus nul qui existe pour un jeu vidéo. Pourquoi on fait pas un truc cool comme collectionner des cartes mortelles de toutes les couleurs? Ça, ce serait vraiment fantastique. Kowabunga! Allez, on y va, les amis. On va aller dire au créateur ce que l'on pense de tout ça. Et faut sauver Springfield! Mais ça a l'air trop bien. Et du coup, oui, si Lisa savait... Si Lisa savait pour la PS4 et la Xbox 720... Parce que techniquement, oui, fut un temps où la Xbox One avait pour surnom la Xbox 720 parce qu'on savait qu'il y avait un projet d'une nouvelle console, mais on ne savait pas quel nom elle aurait, et surtout quand elle sortirait. Par contre, le coup de la PS4, c'était évident. PS1, PS2, PS3, là, il n'y a pas de divination, hein. C'est juste un pur hasard qui tombe vachement bien. Alors, si j'ai bien compris ce qui va se passer, à partir de là, voilà, on est dans un nouveau hub, où on va, en fait, tout bonnement, devoir se faire plusieurs niveaux pour récupérer des éléments qui vont nous permettre de progresser, des cartes d'accès. Putain, par contre, c'est trop stylé, on peut pas... On peut pas se jouer nous-mêmes mais en 8 bits. J'adore l'idée mais on peut pas. Par contre c'est trop bizarre de se voir en 3D. Enfin, non. C'est-à-dire que un 8 bits en 3D, ça rend trop chelou. Mais en fait nous on est l'entre-deux. Et peut-être même que si un jour ils font un remaster, on aura les versions de nous, de cette version-là, tu vois. Genre quand on jouera à la PS5 sur le remaster des Simpsons, on aura peut-être ces Simpsons-là qui étaient à l'époque sur la version PS2 et tout. Ça pourrait être trop marrant. Alors du coup là... Là, on a plein de posters. Donc, j'en profite un petit peu parce que cet épisode est court. Et du coup, dans le prochain, on s'attaquera directement à un niveau. On a donc Medal of Homer. Oh, j'adore. Alors, celui-là, il est trop bon. NeverQuest avec les sœurs de Marge. Oh, il est mortel. Dead West of Time. Ce qui veut dire
Ah, oh, je sais pas, mais ça rend trop bien. Alors, lui, on l'avait déjà vu. Mega Moleman. Sinor. Donc, ça doit être sport, du coup. Oh, Sitar Heroes. Oh, c'est trop bien. Ça rend beaucoup trop bien. Un autre Sitar Heroes. Un autre Snor. Et c'est toujours les mêmes. Ah non, là, c'est pas les mêmes. Grand F Scratchy. Ainsi que Big Super Happy Fun Fun Game. Ça rend beaucoup trop bien. Moral Combat, on l'avait déjà vu. Commando and Conquer, on l'avait déjà vu. Project Shelbyville, excellent. Ah ah, et là il y en a encore un beau. Zero Life, mais non, il est génial. Ce serait bien qu'il y ait un Zero Life 3 d'ailleurs un jour. Et du coup, à venir, eh ben, on va probablement se faire. Les 5 ? Mais non. Les 5 ? Ça veut dire qu'on va avoir un passage à la Call of Duty ? Enfin, à la Medal of Honor ? Ça va être trop bien, les casmas, les niveaux à venir s'annoncent beaucoup trop bons. YouTube, je te fais des gros bisous, Twitch, nous lâche pas, on reprend dans deux petites minutes. Ciao tout le monde.